famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous savez, les réseaux sociaux peuvent être très bien utilisés et c'est le cas. Dernièrement, je vous ai partagé la vidéo d'un petit garçon qui a été brûlé par de l'eau chaude par sa voisine. Mais vous savez, cette dame-là avait été libérée. Mais je vous annonce aujourd'hui que cette dame-là est de nouveau incarcérée. Pourquoi? Parce que les gens en ont parlé. Les gens se sont mobilisés, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux. Je suis fière de nous tous, fière du travail que nous faisons, que ce soit les bonnes choses ou les choses qui sont inacceptables, qui se passent, peu importe le pays où nous sommes, nous devons les exposer, les montrer que ces choses-là existent. Donc, je vous laisse avec le reportage qui a été fait à ce sujet. Je tiens aussi à dire aux parents d'être fort, de prendre soin de leur enfant, surtout en ce moment, de le protéger, de protéger leur petit œuf. Parce que vous savez, le dehors est mauvais. On ne sait même plus à qui faire confiance. Notre propre voisine peut faire un truc pareil à notre enfant. C'est inacceptable. Je tiens aussi à dire que aucun enfant ne mérite un traitement pareil. Que ce soit un enfant d'immigrant, un enfant québécois ou canadien, aucun enfant ne mérite d'être traité de la sorte. Donc, bravo une fois de plus à la justice. Merci à toutes les personnes qui ont parlé, qui l'ont exposé. Cette femme-là mérite d'aller en prison et j'espère que c'est ce qui va être fait. Bon visionnement, la famille. Stéphanie Borel, cette femme, elle est âgée de 46 ans et elle a été formellement accusée de voies de fait graves. Elle restera finalement incarcérée. C'est une affaire, Véronique, qui a suscité l'indignation ici à Longueuil de la part des parents du petit garçon qui, en revenant de l'école, a reçu de l'eau bouillante sur le corps, à la tête, au visage et au haut du corps, subi des brûlures au deuxième degré, mais aussi dans l'ensemble de la population et même dans la classe politique. Et au départ, elle avait été arrêtée puis remise en liberté. C'était la semaine dernière, sous promesse de comparaître, avec des conditions à respecter, dont ne pas s'approcher de la victime qui habite toutefois de l'autre côté de la rue, en face de chez elle. Et elle devait revenir devant le tribunal seulement en janvier. Mais aujourd'hui, un mandat d'arrestation a été émis par la Direction des poursuites criminelles et pénales. Elle a été arrêtée de nouveau et donc elle a comparu cet après-midi sous un chef de voie de fait grave, une accusation plus grave que ce qui était prévu au départ. Là, au départ, on parlait plutôt de voie de fait lésion et d'agression armée. Et cette fois-ci, la couronne s'oppose à ce qu'elle soit remise en liberté. On peut écouter la procureure. Il existe trois motifs là, sur lesquels on peut s'opposer à la remise en liberté de quelqu'un. Le premier étant la présence à la cour. Je ne me suis pas objectée sur ce motif-là. Le deuxième et le troisième critère. Donc, le deuxième étant la sécurité de la victime et du public en général, le risque de récidive également. Le troisième critère, c'est la confiance du public envers l'administration de la justice qui va être ce qui est pris en compte. En fait, ça va être la force de la preuve, la gravité des gestes. C'est ce qui sera exposé là, mercredi. Et Amélie, les enquêteurs avaient des nouvelles informations depuis que c'est arrivé, là. Oui, ce que nous dit le service de police de la ville de Longueuil, c'est qu'au départ, on l'avait arrêtée pour qu'elle ait des conditions à respecter, mais on a poursuivi le travail d'enquête, notamment avec des enquêteurs des crimes majeurs. Et entre-temps, bien, on a trouvé des nouvelles informations, des nouvelles preuves pour procéder à des accusations plus graves. En tout cas, pour la famille, c'est un baume. Pour ce qui est de l'accusée elle-même, elle va être de retour ici la semaine prochaine pour son enquête sur remise en liberté. On peut écouter une réaction de la famille, d'un proche plutôt. On remercie les autorités pour l'entrain qu'ils mettent pour nous protéger. L'enfant et son papa, sa maman, la famille, on se remet du choc. Ouais. Bon, pour le reste, on s'en remet à Dieu.